congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. On ne le dira jamais assez. La sécurité est l'affaire de tout le monde. Fidèle à sa mission, lui reconnue par l'État congolais, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur 20 présumés criminels, parmi lesquels deux éléments en uniforme égarés, deux mineurs ainsi que des recelaires sont tombés dans le filet de la PNC. En Ituri, ces fauteurs à nos troubles ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri par le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengeloakiou. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés avec comme chef de bande Lassé Mbaya Nguen qui héberge chez lui 8 voleurs dont la plupart sont des mineurs d'âge. Tout en félicitant cette action de la police, le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni, attend de la justice de sanctions exemplaires. Donc, je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs. Donc ils méritent aussi un encadrement. Cette action de la police est saluée par le propriétaire de biens volés et retrouvés. Il continue avec les services qui sont à de rendre à la population. On m'a toujours dit que la police ne travaille pas bien, mais aujourd'hui, j'ai vécu ce que les gens ne m'ont jamais dit. J'en suis très très content et je dis merci pour notre gouverneur et j'en suis très content pour tous les éléments qui ont aidé pour qu'aujourd'hui nous pouvons trouver nos biens. Ce qui nous a fait très mal, ce sont des petits-enfants de rien du tout. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le service de défense et de sécurité multiplie d'ardeur pour établir la quiétude à Bounia et environ. C'est ce qui justifie la libre circulation des personnes et de leurs biens la nuit comme le jour depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays. Dans le souci du rétablissement de l'autorité de l'État et la paix en province de l'Ituri, le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni, se bat bec et ongle dans une approche militaire et non militaire pour cet oiseau rare. A cet effet, les confessions religieuses et autres organisations font bloc à l'administration militaire. C'est ce qui a conduit le représentant légal de musulmans en Ituri, Cheikh Shukrani Biaroufou, au gouvernorat de province ce mercredi 25 avril à la rencontre
4 de l'autorité provinciale. Par ailleurs, le numéro 1 de la communauté islamique en Ituri invite les groupes armés à cesser avec les hostilités. Souci majeur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous savez, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Nous lançons ce message de paix à toute la population iturienne. Mais aussi à cette occasion, aux groupes armés, locaux et étrangers, qui adhèrent au programme de paix des DRCS. Parce que c'est le seul programme pour le moment que le président de la République a quand même tendu la main à ces gens pour la dernière chance pour qu'ils reviennent à la raison. Moi je pense qu'avec ça, nous aussi on a sensibilisé les jours de notre fête d'Eid pour que le musulman aussi aide la communauté, aide notre pays, aide la province, aide les autorités provinciales pour sensibiliser aussi les leurs, pour qu'enfin, si jamais il y a ceux qui détiennent encore les armes dans la communauté, dans les familles, qu'ils le remettent. Le PDDRCS de Jean Anèvre, le chef d'entité islamique de l'Ituri, invite toutes les confessions religieuses à jouer pleinement son rôle d'accompagner ces processus, une approche basée sur la réconciliation de toutes les communautés pour un retour effectif de la paix. Le général-major Kizzy Mumbu Yustaza a effectué le mercredi 19 avril 2023 une visite d'inspection et de commandement des unités déployées dans les plateaux de Bateke dans la commune urbano-rurale de Maluku. Accompagné de son adjoint en charge des opérations et renseignements et d'une forte délégation des officiers, les commandants 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa s'est d'abord rendu à la ferme récemment pillée par un groupe de civiques Yaka appelé Mobondo. Il a fermement condamné les actes posés par ces criminels. L'objectif de la visite, c'est une visite d'inspection. Une visite d'inspection. Vous savez que nous avons des militaires qui sont déployés à travers toute cette zone. Et à ce titre, en tant que commandant région, surtout commandant 14e région militaire, Maluku faisant partie de la 14e région militaire, et comme vous le savez, Maluku est perturbé par la présence des violences commises par les assaillants. Et les Yakato, ce n'est pas tous les Yaka, il y a une frange des Yaka qui sont extrémistes. Ce sont ceux-là qui s'attaquent à d'autres tribus, et particulièrement à la tribu Teke, comme on l'a appris. Et donc ce sont ceux-là qui ont troublé l'ordre pratiquement public. Et nous sommes en train de faire l'inspection d'abord de notre déploiement, nos militaires, mais aussi voir d'autres villages qui sont désertés et chercher à corriger les déploiements de manière à ce que le calme puisse revenir. On est en train de passer la doctrine de paix pour que les gens se rendent, que les gens comprennent que dans la violence, il n'y a rien. Et surtout dans la violence entre frères, voyez-vous. Et donc, nous en appelons vraiment à la conscience de nos frères extrémistes Yaka, n'est-ce pas, de revenir à la raison. Ils se sont même donné un nom de Mobondo, vous le savez. Et donc, la tendance est de glisser vers... Avant, on pensait que c'était un problème des tribus, mais maintenant, nous nous rendons compte que nous sommes devant, n'est-ce pas, un mouvement insurrectionnel qui commence à intercepter des navires, n'est-ce pas, à débaptiser les villages, à introniser les chefs coutumiers, à chasser toutes les tribus et laisser des villages mono-ethniques. Et tout ça, ça ne paye pas, nous n'en avons pas besoin. Et donc, voilà un peu, c'est juste un appel à la conscience pour que les gens cessent avec la violence. D'Embakana à Mampou, en passant par Sojea et Kinzono, le général Stazé a félicité les militaires de FRDC pour le travail réalisé pour l'instauration de la paix et bon comportement dans l'exercice de leur mission. Après une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la zone avec les officiers de 14-012e bataillon, le général Kizimou a encouragé tout le monde à poursuivre loyalement la mission leur confiée dans la discipline en vue du retour d'une paix durable dans ces secteurs. À Mampou, le commandant 14e région militaire s'est réjoui du renforcement des relations entre la population et les militaires. Tango Makilele, Yabatoui, Babandaki, Kimisabatu, Nabambo, Bamobondo. Tango ebandaka
na yaka na mampu awa. Mampu eza musika na goudron, hein, touti musika, 25 km. 15 km eza village eza wana babengi amoni. Kizono. Voilà. Toyebisa bango ba zonga, tosi toti ba soda, bana na bango, ba batela bango. Kimia ezongi ba benga batu, ba yako fanda. Alors, lelo tangu na ye, omoni na sombi na kuanga te. Boye mojana. Na sombi biloko wana na isengo nyonsu. Do na kuti batu bazana kimia. Tangu batu bazana kimia, ezo pesa isengo ya batu oyo bazo batela bango. Parce que nde musala na biso, tozala musala mususu te. Le lieutenant-général Constant Di Makongba, commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a fait une descente à Moubambiro près de Sake ce lundi 24 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Masisi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement. Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant-général Constant Di Makongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme au règlement militaire. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens, a-t-il lancé. Oyebi, pour tirer, dans ma position, yoso, le premier soldat. Mais jamais, tu es là qui sur le terrain, qui est aux amandos, qui est le côté, on a le plan où il y a mon côté. Parce que la constitution est le bien, il y a tout battre l'école, il y a la population, il y a to la kisi bino ya ngote na seyi. Moto moko la kisi bino ya lokwana na seyi ya zate. Me o ya zari ko sala awa, azi mandoka ke ko intimide bato, c'est-à-dire, azalaki kuluna, azalaki voyou, azalaki voleur ame armé, kala, alo ayeko bo marasiko na kati ame. Ndo ki ba pesi yo, materie militaire ba zako pesa yo, ezali pona ko bon, ko bate la. E teni amboka na biso, et ils allaient pour nous battre la population de Biloko Mabiabango. Ils allaient pour nous faire un coup de moto. Ils allaient pour nous faire un coup de moto, téléphone. Ils allaient pour nous faire un moto, pour nous faire un moto, monsieur. Non! Moi, je suis allé pour nous faire un bitumba. Oyo, à comme mes cabillots, on est mort pour mon appel à Misso. Parle des voleurs, ceux qui sont en train de se faire, ils allaient pour nous aussi armé na biso armé à l'État. Ok, ne faut sala makambo oyo l'État tindio sala nangote. Ça c'est très grave. Bananga il faut boye bayango. Signalons que le gouverneur était accompagné de ses collaborateurs. Une équipe de journalistes internationaux et nationaux ont clôturé leur série de visites samedi 22 avril 2022 à Goma. L'objectif de leur mission était de se rendre compte du retrait du M23, les cessez-le-feu et le respect des droits humains dans les zones où sont déployées les troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Des grands points ont marqué la fin de leur visite, à savoir les débriefings du commandant force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, la restitution de la situation sécuritaire par le gouverneur militaire. Au quartier général de la force régionale, le général-major Jeff Nyaga, accompagné de son adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Kaputa Kasinga Emmanuel et des officiers de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, a d'abord remercié la presse pour avoir répondu à son appel. Ensuite, il leur a demandé d'être une force pour la réussite de la mission de la paix afin de favoriser ensemble son retour. Car il ne s'agit pas seulement de la question du M23, mais également de tous les groupes armés dans la province du Nord Kivu. Enfin, le numéro 1 de cette force a annoncé les mesures que je vous propose de suivre l'extrait. Tous les véhicules transportant les marchandises en provenance de Mweso, Kitsanga, Kilolio et Sake seront prochainement escortés par les troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est pour faciliter le passage dans les différentes barrières érigées par les groupes armés. Et on verra celui qui s'opposera à ces différentes mesures prises par la force régionale, car ils subiront tous la rigueur de la loi. And that one will start next week.
Après le quartier général de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, la délégation s'est rendue au gouvernorat de la province du Nord-Kivu où ils ont assisté à une restitution de la situation sécuritaire par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant. Le général Ndima s'est adressé devant la délégation en double casquette, d'abord comme commandant des opérations, ensuite comme chef de l'administration de la province du Nord-Kivu. Pour rappel, l'équipe de presse avait visité les localités dans les territoires de Nirangongo et de Rutshuru au Nord Kivu. Une prise de photos souvenir pour immortaliser l'événement a clôturé la fin de cette visite. La délégation mixte état-major général, force terrestre et commandement général des écoles militaires conduite par le général-major Chico Chitambwe, sous-chef d'état-major en charge des opérations, est arrivé dans la base militaire de Kitona depuis ce vendredi 21 avril 2023 à 11h10 dans une visite de travail pour évaluer le niveau de recrue au centre d'instruction de Kitona. Pour clôturer, le sous-chef d'état-major s'est adressé aux recrues. Bote Rabino. Promotion Guépard. Elikia bakonzi ezaliete bokosala musala malamu mokonzi amboka commandant suprême chef d'état major na population nyonso ya Congo batieli bino elikia bozali mibali oyo mboka eponi po bokende kobundela ekolo tozali na kokoso muke na est bandeko na biso bazali na kimia te. Alors, mokonzi mboka azali décidé à kozongisa kimia na ensemble a étendi mobimba mboka na biso. Et ba acteur o ba kosala ete kimia ezonga ezali biso ba soda. Promotion Guépard. Le lieutenant général Bamunda Ntumba Frank, chef de la maison militaire du président de la République, après le premier contact avec les stagiaires de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa, samedi 1er avril 2023. Et c'est après quelques jours, après avoir appris que le choix de ses stagiaires a porté sur sa personne pour les parrainages. S'adressant à ses filles, le lieutenant général Bamunda a exprimé sa joie d'être choisi comme parrain de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il ira également prodiguer des sages conseils avant de leur rassurer qu'il sera à leur entière disposition pour toute éventualité. C'est déjà une charge que j'assume et je vous rassure que votre voyage aura bel et bien lieu. Qu'à cela ne tienne, je reste à votre entière disposition. Je reviens encore au commandant d'école pour lui demander qu'il puisse me transmettre le plus vite possible parce qu'il ne vous reste, je crois, que 2 ou 3 mois pour clôturer. Mon agenda qui est très très surchargé. On va partager peut-être le petit lien que j'ai pu amener pour vous. Je suis à votre entière disposition. La nuit, la journée, la soirée, à tout moment que vous voulez, vous le voudriez, mon numéro, vous pouvez m'appeler. Même quand vous serez parti d'ici, même après ici. Vous devez toujours m'appeler pour avoir des conseils. Une fois de plus, merci. À l'occasion, des stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa venus de la République du Congo ont porté officiellement leur nouveau grade. C'est après qu'ils aient été promus la même semaine par leur commandant suprême, le président Denis Sassou Nguesso, sur proposition du comité de défense de leur pays. Le premier président de la haute cour militaire a présidé lundi 17 avril 2023 une parade générale au siège de cette institution, 6 avenue Monseigneur Chaoumba, numéro 289 à Kinshasa Gombe. Le lieutenant général Mutombo Katalay Tchendi Joseph s'est adressé aux hauts magistrats de la haute cour militaire, aux magistrats des cours militaires et des tribunaux militaires de garnison ainsi qu'au personnel d'appoint pour rappeler ses directives en vue du bon fonctionnement des services. Le numéro 1 de la magistrature militaire du siège,
a insisté sur le service intérieur dont le responsable a été instruit de bien vérifier la dotation en armes et munitions de guerre pour éviter une utilisation abusive par les soldats. Le même mot d'ordre a été donné au gestionnaire des ressources humaines qui doit ouvrir l'œil et le bon pendant l'opération de contrôle des effectifs organisée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mutombo a même épinglé la rémunération des membres de la justice militaire à la banque payeuse Robank où tout doit se dérouler dans les normes requises. Le speech du premier président de la haute cour militaire a été précédé par une prédication de l'aumônier kimbanguiste en chef adjoint, le colonel Kavena Tadik. Pourquoi tu dis parade vélo ? Les amis, parce que nous en avons communication et ils ont concerné plus les officiers que les soldats. Mais il n'y a pas longtemps, un inspecteur général a dit délégation au bassin là, identification biométrique. Parce que dans mon souci, on a un mot d'air, mais il y a un mot pour se faire identifier. Ce que ça a été, il y a un mot. Ce qui nous a permettre de faire un mot d'air, il y a une erreur, mon aîné, parce que vous voyez, par intention, on a été. Ce qui est mon imoutou, à la piloté Nicolonios, il faut le dénoncer. Deuxième point, les apports n'ont pas gradé des lits, n'ont pas magasiné. Toujours, il n'y a pas longtemps, il y a eu passage, il y a délégué, il y a état-major, il y a corps logistique. Il y a eu un total matériel, on les a à la disposition là-dessus. Mandoku n'a massacré. On sait que ça les met bien, parce que na niveau il y a cours militaire, je ne dis pas que ça a testé, mais c'est ce qu'on a constaté, fait qu'il y avait une munition et pélée. Là, mon autre, c'est quoi deux mondes. Dieu, aux apôtres, soit munition et à l'état, aux apôtres, ça l'a l'amour, mon salam, mon souci. Ce n'est pas bien. À ce temps, on va s'arrêter à Matabouana, on va la sévèrement sanctionner. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire. Avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.